je voudrais vous parler globalement de l'envers de la dette, mais ce titre de l'envers de la dette, c'est, on pourrait dire, c'est l'escroquerie de la dette. C'est-à-dire comment, en fait, ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les billets de France CFA repartent directement à peine arrivés dans les banques centrales. Ces billets repartent à Genève dans des banques qui vont ensuite revendre ces francs CFA à la France. Le scénario allégorien semble dramatiquement se répéter en République centrafricaine. Une fois de plus, la France intervient militairement avec le blanc-seing de l'ONU pour officiellement mettre fin à des massacres de civils et sauver des vies humaines. Selon son super président François Hollande et le ministre des Affaires étrangères, le philanthrope Laurent Fabius. C'est toujours le même principe. La convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique. CFA, ils vont quitter le continent et des prédateurs se payer sur ce franc CFA.